Une victoire bonifiée face aux Gallois de Clanéclet. Marcel, Michelin et Clermont se relancent dans la qualification pour les quarts de finale de H-Cup. Les Clermontois prennent rapidement le dessus sur leur adversaire, acculé dans les 22 et fautif dans les regroupements. Brock James transforme 3-0. Après deux essais justement refusés, Clermont ne mène que 6-3 au repos. Pas grand-chose jusqu'à la 47e. Jimmy Cudmore vient conclure une offensive de 3 minutes. L'essai est transformé, 13-3. Un essai qui fait du bien et qui relance les jaunards. Brockjet, la petite passe par-dessus, au pied de Brockjet à la gare, et c'est... Ah oui, oui, cette fois-ci, il y est. La déferlante jaune poursuit son travail de sape, percé de Sivivatu, il sert Nalaga qui file dans l'embut. Et Clermont ne lâche rien jusqu'à la 83e, où le jeune pilier Clément Rix s'arrache pour venir aplatir l'essai du bonus offensif. Score final 32-11, Clermont redevient un candidat sérieux à la qualification pour les quarts de finale de H-Cup. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je crois que nos avants ont encore fait une très grosse partie, on a trouvé la solution grâce à eux en seconde période, dans l'axe on les a vus friables donc on a appuyé, et donc bon, on va chercher 4 essais sur une très très belle équipe des Scarlets, je pense que ça va être compliqué le déplacement la semaine prochaine. À la mi-temps c'était pas évident, on voulait essayer de construire le match correctement mais on s'est heurté à des Gallois qui cassaient sans cesse le rythme donc on ne pouvait pas enchaîner notre jeu. Et après à la mi-temps on s'est dit qu'il fallait pouvoir enchaîner et le resserrer notamment devant pour ouvrir un peu les espaces et c'est ce qui nous a souri.